خلينا دلوقتي مع نستمع لأنا فونسكا وهي المديرة العامة المنظمة الدولية. هاي أنا. هاي. Same here. Thank you. Monsieur le Président, bon, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général de Wilaya, Monsieur l'Ambassadeur, Mesdames et Messieurs, chers invités, c'est vraiment un honneur d'être parmi vous aujourd'hui pour vous joindre à célébrer la deuxième édition du Festival international d'Ibn Battuta. Nous sommes tous réunis ici aujourd'hui pour mettre sous le feu des projecteurs le voyage et l'importance de la diversité culturelle que ce dernier engendre. Et je remercie ça à Ibn Battuta qui nous a amené tout cet plaisir de voyager, connaître d'autres pays, d'autres cultures. Le développement de la diversité culturelle, on tous sait, c'est considéré comme le moteur de la vie moderne, car elle joue un rôle crucial dans le développement et la richesse des nations. Le monde dans lequel nous vivons est donc de plus en plus interconnecté, globalisé et diversifié, car c'est un monde qui bouge. C'est comme la migration, on bouge. La diversité qui engendre l'immigration enrichit, dynamise et stimule le développement des sociétés de plus en plus diversifiées en termes de culture, de langue, nationalité, religion, etc. Vous êtes tous, vous tous ici, vous êtes aujourd'hui la preuve vivante de cette belle diversité que la migration et les voyages peuvent offrir à une société, quelle qu'elle soit. Est-ce que la diversité présente des défis? Oui, bien sûr. Mais la réponse à ces défis, ce n'est pas de chercher à effacer les différences, mais à comprendre comment le dialogue, le partage des connaissances, les valeurs et les idées peuvent être un bien collectif.